Les gars, Circa pour une vidéo, on se retrouve pour une vidéo assez originale car je viens d'apercevoir un tweet de Jean-Michel Aulas qui l'a supprimé 10 minutes après. Enfin, 10 minutes, je sais pas quand il l'a supprimé environ. Parce que voilà, j'étais étonné de ce tweet. Donc voilà, dans ce tweet, de toute façon, je vais vous le mettre à l'image. Donc voilà, donc je pense que comme vous verrez à l'écran, c'est étonnant. Jean-Michel Aulas qui tweet comme quoi on ne mérite pas d'aller en finale à cause de l'arbitrage, car on était favorisé par l'arbitrage. Donc voilà. Alors les gars, déjà Lyon mérite pas d'être deuxième du championnat. Ils sont deuxième parce qu'ils ont été favorisés par l'arbitrage sur certains matchs. Ils ont été plus favorisés par l'arbitrage qu'ils ont été victimes de l'arbitrage, donc voilà quoi. Alors que nous, l'OM, on a été plus victimisés par l'arbitrage que être favorisés. Donc voilà, Jean-Michel Aulas, il a supprimé ce tweet. Il l'a bien fait parce que ça aurait éclaté pour les Marseillais quoi. Donc voilà, Jean-Michel Aulas, il a tort de tweeter ça parce que franchement, c'est pas vrai. On mérite d'aller en finale, même c'est vrai qu'on a rencontré des petites équipes, enfin pas des équipes au niveau de l'Atlético. C'est vrai, Salzbourg, ça fait pas rêver. Le RB Leipzig, ça ne fait pas trop rêver. L'Atlético Bilbao, toutes les équipes qu'on a rencontrées, ça n'a pas fait rêver certaines personnes. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, Jean-Michel Aulas, voilà. Et les gars, je vais vous dire un truc. Donc voilà les gars, je vais vous dire une chose. Ce tweet, ce n'est pas vrai. C'est des bêtises, enfin des bêtises. C'est un petit troll que je viens de vous faire car ce tweet, c'est moi qui l'a fait et j'ai mis Jean-Michel Aulas comme auteur de ce tweet. Donc voilà, je vous ai un peu troll. Donc de toute façon, ça m'aurait pas étonné si ça aurait été vrai. Car c'est un peu le genre de Jean-Michel Aulas de faire ces tweets-là. Tout le temps critiquer l'OM. Pas que l'OM, il critique aussi Paris parfois. Donc voilà les gars, c'est un petit troll, tout simplement, donc voilà. Donc je vous ai bien eu, hein. De toute façon Jean-Michel Aulas, il est jaloux. Enfin, il sait pas qu'il est jaloux, mais il est jaloux quand même. Il est jaloux de notre parcours en Europa League, parce que lui, l'année dernière, il a fini en demi-finale face à l'Ajax, donc qui ont été en finale, qui ont perdu la finale. Mais le pire, c'est que nous, on va plus loin que eux. Mais surtout que la finale, c'est au Parcouel. La finale, c'est à Lyon. Et ça, c'est le pire. Donc voilà, ouais, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était un petit troll. Prenez-le au second degré. Donc voilà, les gars. J'espère que vous avez aimé. Hein. Ne m'insultez pas dans les commentaires si vous êtes lyonnais ou passé sur cette vidéo. De toute façon, c'est totalement pensable que Jean-Michel Aulas tweete ça. C'est totalement possible, hein. Donc voilà, c'est un petit troll. Ce n'est pas vrai, c'est moi qui ai réalisé ce tweet, c'est moi qui a, comment dire, truqué l'image. Donc voilà, j'ai monté l'image moi-même. Donc comment j'ai fait? Bon, je vais pas vous expliquer, je vous ferai peut-être une vidéo comment je fais tout ça. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!